partenaire à genoux, je garde le contrôle de la manche. Je vais venir bras dans bras et je viens chercher le relais. D'accord ? À partir de là, pareil, plusieurs directions. Donc là, au lieu d'être à plat ventre, d'accord ? Je me retrouve dans la même situation, parce que c'est comme si j'avais fait le tour du partenaire à plat ventre. Sauf qu'il y a genou. Donc à partir de là, je prends le genou, je tiens mon ballon en dessous, je vais partir ici sur, je vais faire dessous mon échec. D'accord ? Je peux partir aussi sur l'avant-bras. Ici, je rentre la tête à l'intérieur. Je vais allonger la jambe. Je peux partir dans cette direction. Alors, je prends l'avant-bras. Je pars ici. J'attrape le genou. Je rentre la tête. Le partenaire ici, c'est normalement, je pars vers là. Il se met vers l'arrière. C'est pas grave. Je pars vers l'arrière. Et pour finir, je suis dans le bras, je suis ici, et là je vais pousser pour me retrouver dans la même situation que tout à l'heure. D'accord ? Donc, je vous montre un petit peu les quatre. On est à trois de debout. Hop. Là, je viens de la manche. J'engage le bras droit. Donc, j'ai toujours le bras au sol. Je prends le relais. Et tout de suite, l'autre main, je vais saisir le genou. Si je sois le coude, ça ne va pas comme tout à l'heure. D'accord ? Donc, il tape avant, je suis ici, je sois le coude, je fais ça. S'il a quatre pattes, même travail, j'ai le coude à l'extérieur qui va me donner la direction vers le bas, je ramène le genou. Si je ne sens pas le coude, 1, je viens m'engager. J'engage pas le pied, juste le genou. Je suis collé, je passe sous mon arrêté, jambe. En fait, je peux bien revenir. Même finalité. Bien, je déplace la tête en dessous. Je suis ici. Là. Pour rouler, il faut que je chasse mon appui. Ici. Je chasse mon appui. Quand je pars de l'autre côté, donc ici, donc après, c'est en fonction de la réaction du partenaire. Si je vois qu'il redresse, là, c'est l'inverse. Je chasse cet appui-là. Et le dernier, bras dans bras. Je suis ici, je prends. Je vais me lever un petit peu. Je vais commencer à pousser. Ici, et là. Je pars ici. Sur mon travail. D'accord, donc essayez de partir debout. Je fais une sorte d'isagrement. Donc hop, j'engage. Je donne. Je rappelle aussi si j'engage ma main droite, c'est la main gauche qui vient donner et je viens chercher le revers opposé. Si la main droite est dedans, c'est le revers gauche qui donne. D'accord, j'essaie de choper le plus haut possible. Pas le plus bas, pas le plus de contrôle. Et là, je pars. Je tourne. Là, je ne vais pas passer le coup de l'autre côté. Vers le tout en bas. D'accord ? Je suis toujours que le partenaire, mais moi je pousse toujours. C'est-à-dire que quand je travaille, je suis pas là. Il y a quand même de la pression. Je vais prendre le genou, je vais l'amener ici. Et à partir de là, on a dit que je vais tourner mes épaules ici, par-dessus. Je pars comme ça. On est en cycle. Quand je suis ici, c'est pas fini. D'accord ? Là, c'est bien. On dirait. En bref, ça c'est bien. Ça c'est mieux. Pourquoi ? Parce que là j'ai inversé les hanches. On voit les hanches vers sa tête. D'accord ? Je pousse ici. Et là, il va y avoir une compression au niveau de la cage thoracique. Là c'est en force. Là je vais peut-être le garder pendant les 20 secondes. Mais je vais galérer. Là, si j'en. Juste faire ça. Faire ça. Pousser. Et ramener son bras vers ses genoux. Là, il y a de la compétition. D'accord ? Donc, sur le contrôle, exemple, il y a le bout, c'est comme ça, parce qu'il est neuf. Mais si vous tournez juste les hanches, vous dirigez bien vers le partenaire, c'est beaucoup plus efficace, vous dépensez moins d'énergie. C'est plus compliqué pour le partenaire de sortir. Donc là, je donne. À la vie, on a tout à l'heure, je ne sors pas le coup.
vais partir ici. L'idée, c'est de passer ma tête entre son genou et moi. Dans le coup ici, je ramène. Je m'éloigne suffisamment jusqu'à ce qu'il soit sur le dos. Ensuite, il faut que je fasse ce passage-là. Quand je suis ici, je vais partir vers la tête. J'inverse les hanches. Et ensuite, je vais m'installer. Là, c'est important de prendre à l'extérieur du genou. Il y a beaucoup plus de qui vient chercher la cuisse, qui tire. Il prend notre jambe. C'est la jambe extérieure. Je pousse. Ici, vous ne lâchez pas, vous contrôlez le niveau de l'air. J'inverse les hanches. Je monte vers sa tête. Je pousse. Ça va? Je vais faire un effort. Donc, c'est le même départ que depuis le début. Là, je suis ici. Hop. On a vu celui-là. Ici, même départ.